Alors, pourquoi la fabrique du changement? Parce que c'est vrai que ça change tout le temps, s'adapte en permanence. Donc, pourquoi fabriquer du changement? En fait, dans la fabrique du changement, il y a une idée qui est un peu folle. Une idée où on fabriquerait un changement, nous. C'est-à-dire pas un changement auquel on s'adapte, pas un changement qu'on va subir, mais un changement qui irait dans le sens de plus de justice sociale et dans le sens de plus de durabilité. Ce changement-là, on sait qu'il ne va pas se faire tout seul. On sait qu'il va falloir apprendre à le fabriquer. Pour le fabriquer, il faut des outils. Ces outils, ils existent déjà. On ne les connaît pas tous et là, il est urgent maintenant qu'on sache tous les utiliser. La fabrique du changement, c'est découvrir plus de 75 outils avec plus d'une centaine de changemakers. Ça va être juste énorme. Fabriquer le changement pour aller sur un changement que nous voulons, c'est ça la proposition de la fabrique du changement.